King D D D D D D King D D D D D D King D D D D D King D D D D D D King D King 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 D D D D D D Mario Mario Lucario Mario Mario Lucario Mario. Bon, alors le voilà, le 42e. Il est arrivé 9 jours après Liputu, ce qui est qui est pas énorme, mais bon, j'ai pas mal chassé pour l'avoir celui-là. C'est le 13617e sur la route 13, cherché particulièrement Elidel, qui est un de mes chaînes préférées. Je crois que c'est mon deuxième ou troisième chaîne préférée, j'avais fait une liste. Il y avait aussi Groove et Solarock que j'adore, c'est les rocks que j'aime bien. Absol que j'ai déjà mais que j'aime assez, qui avait une nature pourrie, donc j'aurais voulu en avoir un Absol jouable. Pinosural tout et sac de nœuds, sachant que j'ai déjà un houle de nœuds par échange, passé par Sylvain. Et que mon premier chenille est en Osphéra petit Géanos d'enfer. Donc c'est deux chenilles que j'aime bien. Mais bon, ça compte comme des demi-doublons, on va dire, ils ressemblent pas du tout leurs évolutions. Donc ça se voit pas trop, mais bon, je préfère les autres. Donc, alors déjà, ce n'est pas les trois que je voulais. Pas très grave, c'était tous, c'est une route assez homogène. Les deux rocks, Grotrave et Absol sont à 10%, Nosferalto est à 15%, Sac de Nœud 25% et les Dell 20%. Donc sur la version noire, il y avait Nosferalto et Sac de Nœud, les deux que je ne voulais le moins, enfin je voulais le moins, je n'ai pas ceux que je ne voulais pas, ceux que je voulais le moins. Donc là, je pense que je vais devoir expliquer pourquoi à quoi quack. Bon, ça, je pense que tout le monde l'avait compris. Il n'y a pas besoin d'être un devin pour comprendre son intérêt. Bon, faut au moins expliquer la route, ça permet d'avoir de pas avoir de mauvaises surprises. Grodrive, Solarock, Celeroc, ils ont tous explosion. Donc, on a 30% de chance d'avoir un truc qui va péter en face. Donc, vaut mieux avoir de quoi faire. Donc, c'était sur noir et il n'est pas sur noir, il est sur blanc. Et bah sur blanc on avait la même configuration, un sac de nœuds, un Osferalto, sauf que le sac de nœuds, bah, il est vert. Bon, il y avait une chance sur 4 d'avoir sac de nœuds, donc c'est pas très surprenant. C'est un mal, tant mieux. Bon, ça aurait été une fameuse, j'aurais appelé Winehouse. Un mal, je l'ai appelé Alvaro, les références sont assez spéciales. C'est référence à l'acteur italien Alvaro Vitali, qui est un des acteurs les plus vulgaires de toute l'histoire du cinéma. Qui est très laid, très rond. Et sûrement très alcoolique, donc sec de nœuds, rond, pas très beau, et vin, enfin, il est pas moche, mais c'est pas un sac symbole, hein, mais il est mignon, quoi. Avec ses chaussures, on dirait rapidement un petit peu les Bélixo Super Mario Sunshine, mais avec plus de cheveux, hein. Et puis, et puis sans pantalon. En gros, un Bélixo qui a enlevé son froc. Bon, alors... On met le son. On fait avec quoi qu'on fait rien. On va. Qu'est-ce qu'il a? Il a pas. Ah non, il a pas d'attaque qui pue. Il a pas d'attaque qui pue, donc on va le changer. On va mettre. On va mettre Scorplane à la place. Quant à Elekka, il va faire un point éclair sur Nosferalto. Et c'est là que Sac de Neuf fait. Ah bah juste t'avais pas regardé, mais sur Black and White j'ai par ici. Donc tu vas prendre le point éclair à la place et je vais mourir. Il vient de me rendre compte que j'avais une équipe complète, j'avais pas remarqué. Je crois que je l'ai dit, c'est le 13617e. Et j'étais en train de regarder les Key of Awesome, je sais pas si vous connaissez. Ce sont des parodies de clips. Là je regardais la parodie de On the Floor, c'est assez spécial. Où j'ai appris que Pitbull était bouddhiste et adorait le Dalai Lama. Enfin bon, c'est spécial. Scorplane à faire. Fauchage et les câbles retournent dans sa baballe et on va le remplacer par Miradar. Yep. Le sac de nœud, c'est pas que ce soit une capture difficile, hein, mais je préférerais être sûr quand même. Et bizarrement, sac de nœud, c'est un Pokémon qui est assez qui se retrouve dans pas mal d'endroits.
et que assez peu de monde cherche. Il est pas mal, c'est vrai. Mais peut-être parce que bah sur Rouge Feu Vert Feu, il était à 100%, donc je pense que je suis pas le seul à ne pas aimer les 100%. Sur Diamant Perle Platine, je sais plus comment on l'a. Je crois qu'il n'existe pas ce diamant et perle, et sur platine il est à mon machin. Mon machin, c'est ça plaît pas grand monde. Puis après sur Hard Gold, c'est la dernière route, je pense que bah, c'est la plupart des sacs de nos viennent de là ou de Rouge Feu Vert Feu. Hein. Donc, techniquement mon équipe est pas tellement faite pour un sac de nœuds. Trancher, ça lui fera pas grand chose, ça. On va changer son statut, peut-être que ce sera mieux. Donc j'ai tellement de shiny en si peu de temps, je pense que les dédicaces valent plus rien maintenant. Donc je vais encourager tous ceux qui m'encouragent, puis tous ceux qui sont gentils, ceux qui sont méchants aussi, mais moi, ceux qui sont gentils surtout. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a... Bon. À partir de maintenant, j'ai plus vraiment moyen de l'affaiblir parce que Aquaquack, je pense pas qu'il puisse le mettre KO avec cascade, mais je préfère être sûr. Donc on va l'attraper avec des babales. Est-ce que j'ai une balle verte? Il y a la sombre. La lupe, oui, le sombre brûle. L'instant, je montre. Il n'y a pas d'air. Il est sympa quand même. Je crois que c'était celui que je voulais le moins. Mais non, il est une bonne bouille. Enfin bon, je le connais, hein, j'ai au bout de le nœud. Puis le sac de la chenille, je l'ai déjà vu assez souvent. Non, parce que pas grand chose, j'ai les Dracolos et les cartes sont tous les deux niveau 100, alors le temps qu'il les mette KO, j'ai du temps. Voilà. Oui, j'ai montré qu'il n'y a pas d'air, c'est bon. Donnez ce sac de nœuds sans rajouter, là. Il se cadre des lianes bleues recouvertes de fin duvet. Il est chatouilleux. Oui, il est mignon. Il est mignon. Bon, alors, le surnom. Donc, Alvaro. Donc, je vous conseille de voir au moins des extraits de films d'Alvaro Vitali. C'est du très bon goût, on va dire. Hein. C'est souvent des trucs avec des infirmières à moitié à poil et Alvaro qui les tripote. Ça fera rire pas grand monde. C'est un humour grivois, on va dire. Donc, voilà. On va dans une ville. Je ferai pas l'erreur d'aller dans la ville noire cette fois-là. Cette place, ah oui, je suis sur blanc. Forêt blanche. Oulé! Donc, ça n'aura pas été le gros chiffre de la mort qui tue. Donc, c'est le troisième arrivé dans les 13 000 après Entei et ça va, 13 600, c'est chiffre correct. Alors, il est là, on regarde pas la nature. Donc ça, c'est mes métallos. On change d'écran. Oh, il petit sac de nœuds, il est mignon. Ouais, de dos, on dirait plutôt un cerveau qu'autre chose. Il a chlorophylle. Je sais plus s'il a deux techniques, mais il a chlorophylle. Et cette défense spéciale et la vitesse. Et j'ai toujours oublié si c'est le rouge qui augmente, le bleu qui baisse, ou si c'est le contraire. Donc, il doit être mal poli ou naïf, plutôt mal poli, je pense. Ouais, mal poli. Il s'assoupit souvent, bon, ce sont... Ok.
Son sac de nœuds sera pas une bête de combat, il n'évoluera de façon pas vu qu'il déjà boucle de nœuds. On le prend dans l'équipe. On est chargé de caquac. Voilà. On peut aller se reposer parce qu'il a pris pas mal de. Le cran qui part en veille. Ok. Ben. Ah oui, ça change de saison. Alors, sec de premier. La forêt blanche n'est pas très intéressante pour le moment. Il y a pas mal de recherches que je veux faire à la forêt blanche, mais là, pas grand chose qui n'est pas faisable sur les autres versions. Donc j'attends qu'il y ait quelque chose comme Crack-Noix et Liquide, ouais, c'est les plus intéressants selon moi. En ce moment, il y a Rhinokang, Liquide, les deux nids d'orange, je crois. Porygon. Puis je crois que c'est tout. Il doit avoir aussi Tourmi, je crois, je sais plus. Bon, bah, je vous laisse là. Bonne chance. Là, tout le monde, et Puita, et Spinda, et voilà, une petite dernière rencontre pour la route. Oh, après, cool, tiens, lui m'intéresse.